Bonjour à tous, avec cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'importance de bien choisir ses outils. J'ai acheté un nouvel outil sur Amazon, je vais vous montrer l'utilité vraiment de cet outil, je l'ai trouvé très pratique. Mais avant tout, je vous explique que pour être un bon ouvrier, il faut choisir ses outils. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de, avec une massette, clouer un tout petit clou? Je vous montre ce qu'il peut arriver si vous essayez. À tout de suite. Voilà, rassurez-vous, ce n'était pas ma main, donc heureusement. Voilà. Donc en fait, c'est tout simplement. Voilà, c'est du silicone. Je voulais simplement vous introduire un outil, celui-ci, donc qui va vous aider à clouer facilement, donc sans aucun danger. Alors, je vous montre donc le nom donc de cet outil. Donc voilà, il est noté ici. Je l'ai acheté donc sur Amazon. On va le déballer ensemble. Donc, c'est un outil qui va vous servir d'arrache-clou, de marteau. Donc de coupe-câble. Donc c'est vraiment génial. Donc je vais le déballer avec vous. Voilà à quoi il ressemble. Donc vous pouvez le voir ici. Donc il y a une partie qui est amovible ici. Donc pourquoi? Parce que justement ça va vous servir donc de pression pour clouer tout simplement. Et alors vous pourrez mettre ici dans le centre donc votre clou. Vous avez également l'arrache-clou ici en bas, comme également une pince qui peut vous servir à serrer, peu importe des tuyauteries ou autre chose. Donc voilà, je vous montre ça donc en image. Voilà, donc le nom de ce produit est bien indiqué ici au-dessus. Donc si vous voulez évidemment le commander. Donc on va clouer tout simplement avec cet outil et regarder ensemble donc comment il fonctionne. Donc voilà, je vais simplement donc retirer donc à l'arrière cette petite goupille et alors ici à l'avant donc mettre un clou par exemple. Donc je vais l'insérer de cette façon. Voilà. Et alors je vais essayer avec vous donc de clouer. Donc je vais écarter la caméra de façon que vous puissiez voir correctement. Voilà, comme vous pouvez voir donc le clou donc est bien ici en dessous. Voilà, si maintenant vous voulez vous en servir comme arrache-clou, donc il y a la fonction ici à l'arrière. Voilà, comme ceci, tout simplement. Voilà, ou l'utiliser également comme marteau.